Signé Furax. Douzième épisode. Et cette nuit-là, tandis que ses deux compagnons de cellule sommeil, Maurice la grammaire, les yeux toujours étrangement ouverts, se lèvent et traversent la pièce d'une démarche mécanique. Le voilà devant la porte de sa cellule fermée à double tour. Il pose les mains à plat sur le battant et l'impossible se produit. La porte s'ouvre. Et Maurice s'en va, s'éloigne vers la sortie. Sur son passage, les gardiens endormis grognent dans leur sommeil. Devant lui, les barrières se lèvent, les portes s'ouvrent. Et la nuit tiède de Yadupur enveloppe doucement la silhouette de Maurice la grammaire. Et la bise silencieuse efface le bruit de ses pas. Oh, vous vous foutez de moi tous les deux! Théo, mon petit, mais comme tu es nerveux! Oh, ça va, vous, le vieux! Théo, ben, voilà des façons de parler à ton beau-père, surtout devant ta belle-mère. Ma belle-mère! Parfaitement, Célestine, dis-lui que c'est pas bien. Que si, Théo, mon mari il a raison, tu es trop nerveuse aussi. Assez avec ces enfantillages! Ça n'est pas votre femme, Célestine, professeur, c'est Asti Spumante! Il est fou! C'est la fureur qui le fait dérailler. Si. Asti! Vous êtes le seul sensé ici. Ça va pas durer, monsieur Théo. Maurice la grammaire était avec vous hier soir. Si, si, mais dans un état bizarre. Bizarre? Si, il avait les yeux ouverts et il voyait pas. Vous êtes sûr? On avait même dit avec le professeur qu'on ferait venir un médecin aujourd'hui. Oui, n'empêche que tout halluciné, tout prostré qu'il était, monsieur Maurice la grammaire s'est bel et bien fait la paire cette nuit. Eh si, mais c'était bizarre ça aussi. Comment vous? Vous l'avez vu s'évader? Eh oui. Et vous n'avez pas appelé, vous n'avez pas donné l'alarme! Eh, dites, monsieur Théo, vous renversez les rôles, là, non? Ah oui, c'est vrai, oui, excusez-moi, Asti. Alors, vous l'avez vu partir, comment a-t-il ouvert la porte? Fermée à double serrure! Oh, Christo, on aurait dit un rêve. Maurice, il marchait comme un somnambule. Il a appuyé ses mains sur la porte. Ça s'est ouvert. Il est sorti. Très lentement. Mais c'est incroyable! Vous ne l'avez pas appelé? Non, monsieur Théo. Pourquoi? Lui, il m'aurait pas entendu. Et moi... Vous? Moi, j'avais peur. Tu me la tumes? C'est de plus en plus intolérable! Tout se ligue contre moi pendant que je remplace Claquemuf. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de gérer les affaires babu, frère Théo. Tout ceci est bien complexe. Épargnez-moi ce genre de remarques, s'il vous plaît. Je sais que vous crevez de jalousie parce que le conseil m'a accordé le droit de porter le chapeau pointu aux cérémonies du Mastarapion. Moi? Oui, vous pensez que cet honneur vous était dû. Il faut le mériter, tu me l'attumes. Commencez par faire correctement votre métier de préfet du palais. Je le fais, frère Théo. Alors retrouvez Black et White et arrêtez-les. Je peux faire mieux. Retrouvez le Good Goose et ramenez-le. Je peux faire mieux. Retrouvez Maurice la grammaire et remettez-le sous clé. Je peux faire mieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? On m'a signalé le retour en ville du frère Babu Psaf que nous avions banni et exilé. Arrêtez-le! Mais non, n'ayez pas perpétuellement ce complexe de la serrure, frère Théo. Vous n'allez pas me laisser ce gaillard aller et venir dans les rues pendant les fêtes du Master Apion, non? Le Grand Conseil ne veut pas d'histoire, il y en a déjà trop. Ne craignez rien, je le fais surveiller. Tu me la tumes. Imaginez, au matin du 4 mai, l'entrée annuelle du Grand Babu à Yadupur. Marche vers la ville tout seul.
vêtu de rouge et de noir, le visage masqué, venant d'on ne sait quel lieu inconnu. Il entre par la grande porte nord. Pas une âme dans les rues, c'est la tradition. Nul n'a le droit de lever le regard sur le grand Babu avant qu'il n'ait fait tirer la salve du mastarapion. Vous entendez d'ici le vaste silence de la cité et le pas du grand Babu sur le pavé des avenues. Alors, imaginez, tumlatum, que soudain l'ignoble psaf surgisse d'un coin sombre et se rue sur celui que la ville attend. Imaginez le drame irréparable, hein ? Que deviendrions-nous par votre faute ? Ne craignez rien, frère Théo. L'ex-frère Psaf est une âme basse. Il a le fond vil et vénal. Nous pourrons toujours le récupérer. Alors, je le laisse agir et puis, au moment voulu, hop, la trappe se ferme. Hop. Hop. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.